Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Donc, nous étions au Canada, la nation canadienne, et nous avions donc quelques quêtes à terminer, c'est-à-dire principalement recruter les filles, c'est l'objectif général, mais aussi tuer quelqu'un. Je dois tuer l'évêque de Banff. Nous devons, nous, à l'âge de, je sais pas, on a quoi, on a 8 ans, 9 ans, peut-être 10 ans à tout péter, tuer quelqu'un. Oh nom de Dieu. Bon. Eh ben allons-y. Allons-y, allons-y. Ce n'est pas un homicide, c'est faux. En plus, nous l'avons croisé, il y a un serpent. Il y avait un serpent. Deux serpents. Hop. Boum. Respecte mon autorité. C'est un peu ça. Oh ouais. Allez, c'est parti. Boum. Ah, bah merde, qu'est-ce que t'as fait? J'ai à peine eu le temps de cliquer. C'est pute. Raté. T'es mauvais. Raté, t'es mauvais. Voilà. Je suis trop fort. Oh, ils ont lâché des choses. Avec des espèces, effectivement. Au Canada. Au Canada. But there's other people with praise Christ. Praise God. Praise God and Christ. What's this? Who the fuck hits a bishop? Ah, voilà. Je vous disais aussi. Assassin ? Non, c'est faux. C'est faux. C'est un outrageux mensonge. Je ne suis pas un assassin, voyons. Voyons. Et voici un paladin, il n'est pas un assassin. Ah, boum ! Non, tu ne mourras pas avec le jugement des Philistins. Hop là, voilà, il a ses 5 coups. Maintenant, nous allons tenter à nouveau le marteau de la justice. Boum. Merde, je me suis trompé de touche, j'ai fait clic droit, quel con. Ok, c'est passé. Oh mon dieu, il s'est soigné. C'est même soigné de... Ah oui, c'est même soigné de mon saignement. Remember the golden rule. Hop, voilà, quête de saignement, ça va te faire du bien par où ça passe, comme on dit. Hop. Boum. Purification de la vermine. Ah la vache, je l'ai pas vu venir. Pourquoi il a pris... Ah oui, c'est le saignement. C'est le saignement qui lui a fait tant de mal, d'accord. Boum. Ta fin est arrivée, évêque. Boum. Ça c'est fait. Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince. Meurs. Affreux sceptre. D'accord. Et vis-à-vis de ça, je peux pas passer. Banff Canadians are quite religious. Je peux pas passer. Non. Faudra que je réfléchisse à comment qu'on passe. Canada. Il est gros celui-là, dis donc. Ils sont deux. Hop. Joue à la baballe. Joue à la baballe. Est-ce que tu joues à la baballe? Est-ce que t'as joué à la baballe avec ton copain? Ah, boum. Oh bah la vache.
Ah, ils aiment pas le coup de foudre. Ils ont pas un gros coup de foudre. Hein. Ok. Bon. Oh, prince canadien. Je sprint. Alors, j'ai hâte que le prochain jeu sorte. Hein. Mais ce n'est qu'au mois de décembre. Ça va être long à attendre. That's what she said. Yo. Yay, the bishop's bars. Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the duke this. Hurry now. D'accord. Ah, oh, merde. J'ai perdu les gosses de l'évêque, cela dit. C'est vraiment dommage. Le petit bruit de grelot qu'elle faisait quand je courais était vraiment adorable. C'est vraiment dommage, je ne suis pas d'accord. Vancouver. Voilà. Canada. Bon. C'est par là. Hop. Bonjour. A letter from the princess. What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Oh mon dieu! Bon, il est temps de rencontrer ces moines et d'en apprendre un peu plus sur la magie. D'accord, alors ça je l'ai pas vu venir. Ça nous a coûté cher en train, n'empêche. Terence et Philippe! He is the American everyone is talking about, Terence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. He wears wizard witches. Dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. D'accord, vous voulez plus gros? Le chouetin sournois. How did your ass learn such incredible magic so easily? Ça n'est pas suffisant. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fat? D'ailleurs, tes défenses. Donc c'est clairement un. C'est clairement un smatant. Pourquoi il. Voilà. Fallait les faire dans l'ordre en fait. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Oh putain. Je vais vomir. Ah mon dieu. C'est la guerre d'Harry Potter. Ah non. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. Froc en feu. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Donc référence à Matrix hein. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Oh non, pas les noms des bombes nucléaires. Here, watch again. Nagasaki. Boom! That's it. Now let us see how Nagasaki works in battle. These three pedophiles from Alberta will have pédophiles d'Alberta. Alors, ne faites jamais ça, hein, chers amis. Si vous voyez un groupe de pédophiles d'Alberta, ne vous penchez jamais en avant, derrière eux, avec eux dans le dos et pour leur péter dessus. Hein. Ils risqueraient de réagir plus vite que vous, en fait. Ce qui est un véritable problème en soi. You did it. Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's balls. Comptez sur moi. Est-ce que je peux péter leur peau? Oui. Ok, c'est bon. Nous sommes trop forts. Nous sommes littéralement remplis, non même pas. Ah si, c'est ça. Nous sommes littéralement aspergés de magie, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est dégueulasse. Blah. Non, casse-toi le serpent. Casse-toi le serpent. Et donc maintenant, je vais où? Je vais où? Au Canada. Ah! Là, il y a un coffre. Sympa! Sympa, sympa. Et donc, les catacombes du Canada, c'est... C'est là, c'est ça? Ah oui, c'est là, du coup. Oula, c'est pas passé loin, ça. C'est là qu'on avait vu, justement, le comte et... un caillou que, bizarrement, nous ne pouvions pas... Voilà. L-stick et R-stick, le jeu bug, ça y est, c'est la fin. C'est parce que j'ai encore le... C'est bon. Elle n'y est plus. La mallette n'y est plus. Nagasaki! Boum! Un P joyeux ou un joyeux P? Ah bon, bah là, je me suis fait violer, hein. Là, ça va être drôlement douloureux. Oh la vache! Mais arrêtez de me frapper! Eh ben, on est tous les deux morts. Eh ben, dis donc, t'as intérêt à les frapper en premier, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, vengeance. Ah non, il bug encore sur L-Stick. Hein. Hop, boum! Ah bah merde. Bah merde. Ah, faut rester appuyé jusqu'au bout, d'accord, ok. D'accord, bon bah écoutez, pourquoi pas. Tu veux bien te déplacer, s'il te plaît? Hop, c'est bon, je les ai frappés en premier. Je vais essayer d'en... Bon, c'est pas grave. Boum! Hop! Butters, annihile-moi la première rangée d'ennemis. Ah, boum! C'est fait. Pour certains, en tout cas. Raté! Toi, essayer et toi, perdre deux. Raté! Mon dieu! Non! C'était un loup de... C'était le loup privé de Terrence et Philippe et leur ours privé! Dans leur parc zoologique, en fait, personnel, c'est ça. Hop! Boum! Non, je tente le tout pour le tout. C'est parti. Hop! Trop tard, dommage. Ah! Non, pas les couilles de l'ours. Aïe, je touché. C'est bon. Nous pouvons encore y arriver. Nous pouvons encore y arriver. Je sais pas comment, mais on peut encore y arriver. Ok, bon. Là, il reste plein de points de vie, là, il reste plein de points de vie. Boum. Voilà. Raté. Tu es trop mauvais. Tu es mort. Parfait. Nous avons réussi. Nous sommes les meilleurs. Alors là, comment je vais prendre le reste? Excellente question. Je ne vais pas y arriver. Hop. Armure de barbare. Je prends tout ça. Yo. Je suis libre. Je suis libre. Oh. N'avez-vous besoin de quelque chose traduite? Ok. Cela se traduit par cela. Cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Ok, et après on se demande pourquoi on a. Pourquoi on a une mauvaise. Enfin, une image bizarre quand on joue à un jeu de vidéo sur internet en ligne. Enfin, en tout cas, un jeu en ligne. Et que tout le monde commence à sortir baguette, bonjour, etc. etc. Bref. Annie? C'est qui Annie? Je me rappelle plus. Ah oui, c'était. Oui, d'accord. C'est les filles du coup. Il y a du boulot, hein. Hop, c'est bon. Nous pouvons rentrer à South Park. Une ville américaine, ça va nous faire du bien. Ah, oh, un jeu... Bah non, le jeu n'est pas en 2D, en fait. N'est pas en 3D, pardon.
Enfin, quoique, techniquement, si, il est en 3D. Mais la série en elle-même, elle ne l'est pas. Elle est littéralement en 2D. Enfin, ah, c'est compliqué à gérer. C'est une parallaxe 3D sur laquelle on déplace. Bah d'ailleurs, je me rappelle pas des effets de profondeur sur... Ah, je sais plus. Bon, il y a du boulot, de toute façon, on me dirait, sur ce genre de série. Hein. D'abord, on va aller voir Jimbo. Nous avons fini toutes les quêtes pour tuer des monstres. Donc, on va voir Jimbo. Alors, c'était Walk. Hop. Jimbo! Et Ned, si je me trompe pas. C'est ça, hein? Remember, you can legally kill. What can I do for you, new kid? Tiens. I hate spiders. Sure hope you blasted the heck out of it. Compte sur moi. Man, you showed that bacteria what a real hunter looks like. Eh ouais. That mouse was making us all look bad in more ways than one, eh, Ned? Speak for yourself. Ah, oui, c'est la souris pénis. All right. Looks like that bat sucked its last fruit. I can't wait to see what you kill next. Mais j'ai fini la quête. Maintenant, faut me laisser acheter des choses. Hein. Arbalète d'empalement. Ça a l'air de faire mal, cette histoire. Hein. Ok, moi, je prends le katana. Et du coup, c'est un vrai katana, non? Ah bah oui, je l'ai acheté, du coup, je l'ai plus. Enfin, je l'ai plus dans le mode d'affiché, en fait. D'accord, des villes et dégâts. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. Et le patch pour costume, patch et bouclier épée, d'accord. Mon bouclier d'attaque. Là, il y a un truc. Coucrapoc. Si, c'est ça, c'est Coucrapoc. Avec une jambe à Patrick Duffy. Non, c'est celui-là. Crac. Hop. Hello there. Hache des enfers. Elle est jolie. Ouh, ça me plaît, cette histoire. Ça me plaît, tout ça, dis donc. Ok, attendez, faut qu'on s'équipe quand même, un minimum, hein. Hache des enfers. Super katana. Modifié. Retirer. Non, retirer. Super katana, où est-il? Ah bah merde, j'en ai retiré qu'une. Ah, je pensais que ça retirait tout. Ok, c'est bon. Super katana, où est-il? Où est-il? Ici. Hop. Modifié. Voilà. Crac. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Super balle rebondissante. On aurait pu prendre la grosse arbalète, mais elle fait que des dégâts en ligne et ça me plaît pas. J'aime bien quand ça rebondit et que ça fait des dégâts de sang, en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et je me demande si ça marcherait avec ça, mais enfin bon. On reviendra dessus une autre fois. Ok, oh la vache, avec le vrai katana, par contre, ça va faire mal. Ça va faire atrocement mal. Ah bah tiens. Il est agressif. Ok. Pouf. Ouf. Ah oui, ça fait mal. Ça fait juste super mal. On a obtenu une clé qui doit correspondre à la clé du truc de poste, vous savez. Enfin, moitié du... Enfin, je sais pas si c'est la poste, véritablement. Mais, bon, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple. Là, ce sera pour la quête suivante. Normalement, donc, on a fini la quête de Jimbo, voilà. Et donc, nous allons essayer de nous rendre ici. Remarque, ça va s'appeler Post Office, hein, de mémoire, ça me dit quelque chose, vite fait. On va bien voir. Oui, c'est là. Je sais que c'est là parce que j'en ai vu justement le fameux. Pas l'espèce de tableau, mais la zone de coffre. Oui, bah écoute, pourquoi pas. C'est pas le bon. Donc ce n'est pas ici. Oh. La clé de Jimbo. Ah, ça m'intrigue pour le coup. Un instant. Là! Vérifie juste, hein, mais...
Ok, mais non, en fait, ça servait juste à ouvrir le coffre qu'on a ouvert au tout début, enfin tout à l'heure, là. En haut, là où on a eu la hache, la fameuse hache, on va dire. Ok, pourquoi pas. Ok, ça c'est fait, on a tout cassé. Donc, on va retourner voir Annie, hein, pour nous emmener encore une fois au... Est-ce que ça irait pas plus vite par là? Est-ce que ça n'irait pas plus vite? On va bien voir. On va bien voir, chers amis, hop. Un chat! Excusez-moi, j'ai vu un chat, j'ai hésité. Attendez, regardez. Pensez pas que... C'est un peu suspicieux? Tiens! Perruque en houppe, d'accord. Voilà, City Sushi, c'est fait. Hop. Annie, salut. Oui. Ah, cool. Je ressemble plus vraiment à une fille, mais c'est pas grave. Right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! Oh la vache, c'est vraiment méchant une fille en fait. So we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi! Yay! Yay, Heidi! You serve the girls well, new kid. So you have a chance. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Oh merde, je suis atteint! Je suis atteint! Sparkle! Sunshine! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Text me sometime. Recruter les filles, donc ça s'est fait, retourner voir Kyle. Ok! Peut-être qu'en passant par là, on gagnerait du temps. Okay. Hop! Normalement, Kyle Broflowski a son père devant, voilà, mais ils sont chez Cartman, normalement. Normalement, ils sont chez Cartman, on va bien voir si je me trompe, hein. Donc là, c'est la maison de Cartman, voilà. Et coupe à keep. Bon. Ah ouais. Bon, par contre, je vais me ramener avec un vrai katana, les mecs, hein, faites pas chier. Ah, y'a pas un truc comme quoi, ça... Attendez, je regarde si je me trompe. Non, je croyais. D'ailleurs, on n'a pas encore vu Satan. Ce qui est bizarre. Ah non, ils sont pas là. Merde! Je me suis chié dessus, ils sont bien chez Kyle, en fait. C'est pas ouvert, là. Ah bah, il reste une potion. D'accord. Ok, pourquoi... Bah, elle est partie où, la mère de Cartman? Oh là là, Facebook sur téléphone. C'est la maladie de South Park, en fait, littéralement. Ok, bon. Ok, on y est. Bon. Plus qu'à prier pour qu'il soit vraiment là, finalement. Ou alors ils sont tous devant chez Clyde, peut-être. Non, ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Salut les filles. Commander Douchebag, you were supposed to... Everyone listen up. The girls have agreed to fight by our side. The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Clyde's house. Hourra! Ah bon? Non, bon bah je suis tout seul, tant pis. Je pensais qu'il allait y avoir un deuxième hourra, mais non. Eh ben... Lui au moins il fait pas mine quand il joue, hein. Il y a même les filles au fond. Today, we are not elves and humans. Today, we fight as one. What we do here now... Effectivement. Je suis d'accord. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice, prepare. Ready. And oh la vache. On a rameuté des gens quand même, hein. Oh le pauvre, les pauvres parents. Où est-ce que je suis? Là. Oh mon dieu. Really,
Vas-y. Here, I got this for you. Page de super-héros, merci. Si ça c'est pas le... Oh non! Je vais devoir utiliser Nagasaki! Oh, il m'a ramené! Il m'a complètement ramené! Oh. Comptez sur moi! Raté! Raté! Je n'y arriverai pas! Je n'y arriverai pas! Si, j'ai vu! Cream you, d'accord. Pourquoi les crimer, c'est dégueulasse. Ok, une perruque. Oh. 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 Il y a plusieurs chemins ou... Non, moi je veux buter ceux qui sont à l'extérieur. Hop. Son d'alien, regardez. Hop. Hop. Voilà. Ah, c'est pas ça qu'il fallait faire. Dommage. J'y ai cru, moi. Ah, je crois qu'il m'a frappé avant et que j'ai frappé la porte, en fait. Non, c'est bon. Ça fait mal, hein. Oh, putain. Non, on va passer par le truc des gnomes quand même, hein. On va pas s'embêter, hein. Hop, les. Parti. Ah merde, excuse-moi. Excuse-moi, l'ami. Soigne-le. Je t'ai pris pour un méchant. Allez. Hop, c'est bon. On n'était pas à portée, je pense. Hop. Boum. Et donc ça marche bien, hein. En 100 x 3. Ça marche extrêmement bien. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Donc là c'est une porte, littéralement. Ici nous avons... Un autre passage. Oh dis donc, il y a plein de passages dans cette tour en fait, j'avais complètement zappé ça. Crac, allez on monte. Oula. Chargement carrément. Bon. Mais on skip plein de trucs, c'est nul. Vous ne passerez pas. Et il y a les pirates qui montent aussi. Boum. Le gros coup de vraie épée, vous savez. Hop. Bouf. Voilà, ça s'est réparti de manière assez égale. Ce qui, je l'admets, m'embête un peu. Boum. Ça c'est fait. Lame maudite. Comment est-ce qu'il ose? Non. Tu n'arriveras pas à tuer un paladin avec une lame maudite. Raté. Je rêve où il s'est pas mis en défense du tout, le mien, en fait. Invocation de revenant. D'accord. Boum. Son of a quoi? Son of a biscuit? Ah, boum. Sans mon go marteau. Raté. Je l'ai eu. Infusion d'âme. Qu'est-ce que... Tu vas périr sous ma lame. Boum. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit. Ok, c'est bon. Boum. Oula, c'est ce qu'on appelle un piège. Ok. Il y avait aussi un truc là, je pense. Pour les buter tous. Hop. Voyons si je me trompe. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Merci.
D'accord. C'est pas vraiment non plus ce qui m'intéresse. Attendez, je crois que j'ai pas fouillé pardon, le sac de Terrence et Philippe. Effectivement, non. Merde. J'ai la gorge complètement rêche. Génial. Manquait plus que ça. Boum. Non, tu seras puni. Boum. Betters, marteau des orages. Boum. Ah, mais je l'ai pas. Non, raté. Attaque améliorée. Oh, je l'ai pas vu venir aussi. Oh la vache. Et quand il veut, il tape dur. Hein. Boum. Voilà, moi aussi. Je suis tellement dur, that's what she said. Hop, bon bah j'arrive pas à choper le deuxième cadavre. Dommage. Ah, il y avait un truc ici. Je suis à temps. Apparemment le chemin à temps marche pas. Ah bah si finalement. Mais ça n'a rien fait. Peut-être qu'il aurait fallu que je frappe dans ce genre de truc. Je ne sais pas. Bizarre, bizarre, bizarre. On y va, on monte. On va rejoindre toute l'équipe. Oh là, des nazis, ça y est. Ok, il emmène la vache. Ah, je crois que j'ai frappé, je me suis fait frapper dans mon dos en fait. Ouais. Oh la vache. Elle est inesquivable. Raté. Oh. Raté. Raté. Encore. La maudite. Boum. Le problème c'est qu'on va prendre super cher à chaque tour. Je vais donc utiliser une potion de guérison sur Butters. Vas-y Butters. Et... est-ce que je tente une frappe? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter une frappe? Je vais tuer un chat peut-être. Je vais tuer un chat. C'est pas vraiment des menaces, mais... hop. Little buddy. Hop. Rentrer un marteau des orages. Boum. Ça y est, je l'ai eu. J'ai touché. Raté. Ah, il m'a touché, il s'est soigné, mais... ah, merde, trop tôt. Raté. Raté. Ok. Butters, soigne-toi. On va soigner Butters parce que là, il est vraiment mal au point. Hop. Bien, Butters. Très, très bien, Butters. On va tuer le grand zombie. Boum. Voilà. Ici on va tuer, je pense qu'on va tuer le chat. Le chat. Boum. Morceau de nazi zombie. Non. Ah, trop tôt. Quel dommage. Aïe. Aïe. Ah bah merde. Celle-là je l'ai pas vu venir. Raté. Il a de l'armure m'empêche. Ok, on va besoin de se soigner là. Pauvre Butters. Pauvre Butters. Faut qu'on frappe. Fort. Hop. Boum. Ça va pas suffire, j'en doutais. Je m'en doutais que ça ne suffirait pas. J'ai perdu de la puissance. Raté. Mais ça le soigne quand même. Vache. Il me frappe tellement fort. Hop. Mange. Je pensais que ça le tuerait en plus le saignement. Apparemment non. Boum. Quoi? Non. Oui, je l'ai paré. Oh putain.
C'est à l'instinct. C'est uniquement à l'instinct. Raté. Bon, je vais retuer le grand zombie. Boum. Voilà. Mais merde. Comment je vais faire? Boum. Ah la vache. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. J'arrive pas à les tuer, en fait ils reviennent tout le temps. Donc faut que je les frappe maintenant. Faut que je frappe les cadavres pour qu'ils se barrent. Donc voilà. Lui reviendra pas. L'âme profane. Merde, trop tôt. Aïe. Merde, j'arrête pas de me soigner. Heureusement que j'ai des potions de santé. Je suis écœuré. Ah, ça pue là. Là, ça pue. Lui, je vais le tuer. Boum. Raté. Raté. Ils ont trop d'armure, ça marche pas. Oh, la vache. Je peux toujours pas. Si je peux me soigner. Je peux me soigner avec une grande potion. Voilà. C'est bon. Ça passe. Ça passe. On en chie, mais ça passe. Reballe pour faire disparaître le cadavre. Ça rajoute le saignement. C'est pas grave. C'est tout ce qu'on demande. Boum. Je sais pas si je peux faire un clic droit à ce moment-là en fait. Ah la vache. Elle fait tellement mal. Oh, je les ai eus. Oh putain. Oh ça a été dur. Oh ça a été dur. Comme ma bite. Oh putain. Oulala. Là là. Qu'est-ce que j'en ai chié. Pas un truc là-dedans. Non. Non, j'ai recru pourtant. Ok, c'est une... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Shin Pokémon ou c'est... Ah non. C'était pas un Shin Pokémon. Bah alors? Ah, faut que j'utilise Nagasaki. Voilà. C'est bon. Ok. D'accord, ok, merci. Hop, on y va. Grimpons. Oula, chargement. Qu'est-ce que c'est? Ok, eh bien écoutez chers amis du coup. Ah bah, on va attendre la fin des cinématiques et on va se laisser là pour cet épisode. Ike, non, pas ça. Oh, il tape Ike, salaud. Salaud. Eh bien écoutez, chers amis, nous allons nous venger. Nous allons venger Ike dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ton aventure. Salut les gens. Et yoop.